DRC, lundi 23 octobre 2023, nous sous frontière d'Abonne, Wanamet, nous avons gardé plusieurs bouettes de glace. C'est déjà près de 10 bouettes de glace. Et bien, autorité locale, et bien, déjà saisi pour nouvelle journée ici là. Et en pile commerce, j'en ai gardé à pied devant la zone internaute que yo déjà saisi. Et opération ça qui gagne plusieurs jours depuis que l'autorité locale a déclenché, eh bien, la pra poursuivre pour nouvelle semaine et c'est là. Donc c'est en pile commerce et en pile bouette glace. Il a déjà dépassé 10 bouettes glace. Ils sont achetés en République dominicaine. Eh bien, ils ont saisi là. Et vice-délégué départemental Nord-Est là, n'a là, cap mandé, eh bien, mettre bouette ça, une fois qu'il a fini ses yeux pour yo laisser l'espace là, c'est vraiment pile commerce, et mis à part des glaciers que yo déjà saisi, la même moun si là, qui passe suspendre et entrer en République Dominicaine, et illégalement pour y aller acheter, et produits dominicains, yo. N'a regardé, c'est un pile commerce qui a été là, qui a déjà saisi, pour journée lundi 23 octobre 2023, amis internautes. On a regardé, c'est l'autorité policière, la douane, et bien qui je dis là, continue à saisir marchandises pour journée cela. Il y a saisi, on a regardé plusieurs lots marchandises, je saisis pour nouvelle journée cela. Donc on a une opération qui est lancée depuis plusieurs jours, amis internautes. Moun qui a passé en bas fil fer pour aller acheter en République Dominicaine, eh bien, yo pas suspendu, eh bien, saisi commerciaux, gens qui ont regardé là. Donc, malgré que l'autorité policière yo, et l'autre autorité locale yo, dit moun yo pas à l'acheter dans le pays voisin, et bien, arrivé sous frontière là, y a saisi commerciaux là, eh bien, moun yo, qui toujours été tenace, yo toujours allé. Il a l'acheté et les arrivés sous frontière là, ils ont toujours saisi commerciaux. Ce qu'il y a regardé. Ça fait plusieurs jours depuis que l'opération s'est là déclenchée sous frontière là. Donc nous là, ça permet de vivre bien comme ça, les amis internautes. Regardez, sortir ensemble avec quel machin de vie. Nous journée lundi 23 octobre 2023. Donc c'est Zio Capra pour suivre sous frontière là. C'est plusieurs jours et puis que l'opération ça a déclenché. Et tu vas aller là, c'est bien nous. Pour matin là, pile marchandise. C'est déjà saisi. On ne peut pas suspendre l'entrée sur le territoire pays voisin pour y aller acheter. Pour y venir vendre sur le territoire pas pays d'Haïti. Regardez là, toujours ces marchandises, c'est plusieurs bourrettes remplies. La fin est certaine, est-ce que c'est la règle glacée, est-ce que c'est glace? Eh bien, j'ai déjà arrêté là, je suis arrivé à que je vais le saisir au pied devant. Et
moun kap soti nan peyi vwazen an, ansanm avèk, ebyen, promes, alibi ke yo interdi sa depi plizyon jou, ebyen, ayisyen yo ki yo men, yo pa janm suspann ale achete. C'est mon qui a quitté le pays voisin, avec gros mallette, qui a quitté au passé. C'est la marchandise qui m'en est là. C'est bon, bon. Pile marchandise qui est pas saisie, bien bonheur, lundi 23 octobre 2023. C'est plusieurs boîtes de glace qui sorti en République Dominicaine, et bien agent douanier déjà saisi. Thank you.
Allez là, c'est divers citoyens qui évitaient et bien passer dans la barrière là. Ils ont ouvert et elle passait sous le bois par voisin là, n'a pas gardé. Ça c'est Yon qui l'a guéché là, dans de l'eau. Pour agent au pas de saisir, ça a une rivière massacre là. Il a gagné bout de sa palle là. Regardez dans l'autre bord là.